Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck. Aujourd'hui on présente évidemment la nouvelle carte avec cette nouvelle saison, la nouvelle carte de Season Pass, Blink. Donc j'ai fait un petit deck avec, on est sur quelque chose de classique, je pense que Blink a du potentiel et qu'on va peut-être la trouver dans des synergies un petit peu différentes de ce qu'on imagine actuellement, mais pour l'instant le truc qui paraissait le plus classique, le plus logique et qui m'a permis de monter jusqu'au rang 83 pour le moment, j'ai pris beaucoup de temps en tournoi aujourd'hui. C'est pour cela que je n'ai pas pu monter beaucoup plus. En fait, à partir de 13h30, j'ai fait que du tournoi parce que je suis allé jusqu'en demi-finale. Je perds en demi, malheureusement, aux portes de la finale et du cash prize, accessoirement. Donc, puis dans le top 4, il y a 3 Loki. Loki est actuellement un des meilleurs decks du jeu si vous jouez bien au jeu, si vous maîtrisez le deck, bien sûr, donc il faut prendre son temps. Donc, je pense que Loki, je vous en reparlerai dans les jours prochains, l'actualisation de la liste et quelle est la meilleure liste à jouer et un peu les variantes. Mais aujourd'hui, on est sur Blink avec ce petit deck donc, qui, contre Loki, est... ça dépend. Voilà, en fait, ça va être assez skill dépendant, mais honnêtement, ça va être sortie dépendant surtout. Vous avez des faiblesses avec ce deck, typiquement les decks qui font des gros points, genre Ella, ou les decks encore plus combo, carrément Ella Tribunal. Voilà, ils peuvent vous faire des sorties de fou. Le reste, il y a moyen d'aller chercher des trucs vraiment sympas parce que si tu arrives à mettre en sorte de faire Electro puis Blink, bah alors là c'est sublime, tu as une value énorme sur le board, tu peux jouer ensuite Doom Odin, en fait ça va être juste des points purs et pas dur à jouer, et en fait vous avez la possibilité de faire Sandman et après on a Leader, et oui, et si on fait ça, bah des fois on sait qu'on a gagné et que l'adversaire ne peut rien faire, après sinon c'est assez simple de compréhension comme deck, et on va tout simplement aller le jouer en ladder, commencer à monter un petit peu vers l'infini. Comme je vous dis, j'ai à peine joué 2 heures en ladder aujourd'hui, donc ça monte pas très vite pour le moment, mais on va y aller tranquillement. Quand je vois un avatar comme ça, je me dis bot. Mais je sais qu'il y a des gens qui se font passer pour des bots. Voilà, c'est une mode un petit peu. Ok, bon, les terrains sont pas terribles et la sortie est pas non plus incroyable. On va voir où ça part. Domino. Alors, est-ce qu'il est en train d'essayer de me feinter? C'est possible. Hein, un gars qui essaye de faire croire qu'il est... Que c'est un... Ok, bon, effectivement. Ah non, mais je suis bête, il y avait l'astéroïde. Je suis bête. Je me déconcentre. Après, ça a quand même aucun sens de faire ça alors qu'il y a Cloning Vats. Hein. C'est surtout ça l'idée là de ce moment. Bon, bah, ça va être Jubilee into Blink. Hein. Là, le problème que j'ai, c'est que il va peut-être concéder. Après, j'ai pas énormément de trucs encore. Hein. Est-ce qu'on fait Sandman peut-être? Pour pas mettre trop de points. Non, faisons blink. Un dinosaure. Docteur Doom. Donc on est bloqué sur la gauche par contre, c'est un peu le souci. Dur à gagner pour lui. Est-ce qu'il va concéder? Parce que les bots ils concèdent quand ils sont en retard en vrai. Après là il peut me battre. Hein, mais... Raru. Ok. Très bien. Bon bah on prend les 4 cubes, on est contre un bot maintenant. Il faudrait aller voir ce que ça donne contre des vrais joueurs, évidemment. C'est parti. Voilà, bon après ça monte, hein. Vous voyez c'est vraiment pas très dur, même en faisant des tests, en étant pas très concentré parce que je suis en stream et en jouant à peu près 1h30 ça monte. Donc vous voyez les streams du mercredi en début de saison, quand j'ai le temps en vrai, c'est-à-dire que le tournoi par exemple je le perds assez vite, la plupart du temps je finis la run infinie, donc ouais, là c'est bien aussi de prendre son temps. C'est bien aussi de prendre son temps, puis on découvrira demain en stream
quel rang j'apparais, puisque la dernière fois ça m'avait fait vraiment très mal, puisque j'étais apparu à un rang stratosphériquement bas. Et il y a aussi en ce moment les drops Twitch, donc si vous voulez récupérer des récompenses, il me semble qu'il y a des skins, des boosters, des crédits à gagner, il suffit d'aller regarder tout simplement des streams avec vos créateurs favoris sur Marvel Snap. Est-ce que je vais avoir autant de chance que lui? C'est pas mal. Et c'est beaucoup moins bien d'un seul coup, c'est vraiment moins bien. Hop. Au cas où il joue Quake, on sait jamais. Ah oui, ah là, c'est... Ah ouais, ok. Et il récupère Red Hulk en plus, bon. Ah là, ça semble compromis hein, comme game. On va faire Sandman, il joue son Red Hulk, évidemment. Est-ce qu'il a autre chose à jouer? C'est ça la question. Non mais c'est impossible qu'on gagne ça. C'est impossible qu'on gagne ça, à part s'il a que des cailloux, honnêtement c'est impossible. En fait, on peut remonter la droite, mais ça n'a pas d'intérêt. Là, ici, ouais, on n'a pas eu de rampe. Lui a eu une très très bonne sortie malgré les cailloux, donc dans ces cas-là, c'est la vie. Mais bon, on perd qu'un cube, donc tout va bien. Alors, attendez, tac, faut juste que je vérifie que tout se passe bien. Oui, ok. Imaginez, j'étais pas en train de record tout ça. Le gars tourne une vidéo dans le vide. Ok. Multiple Man, c'est sûrement Phoenix. Quand on voit Multiple Man, on se dit rarement... on se dit rarement move tout seul, mais c'est possible aussi. Hein. Surtout un bot, là. Bon bah petite wave des familles. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça de ne pas passer son tour 2 Deathlock. Ok. Alors là faut pas que j'ai l'initiative. Ok, c'est lui qui a l'initiative, c'est parfait. Pourquoi il faut pas que j'ai l'initiative? Parce que si il joue Phoenix Force qui récupère Human Torch, et bah du coup, je le récupère. Alors que là, si je copie Phoenix Force alors que j'ai l'initiative, avant que ça ait copié Human Torch, bah je récupère Phoenix Force qui va copier un caillou, quoi. Donc, d'accord. Bon, écoutez, on a chouri. on a choisi, on peut faire Sandman. On peut faire Sandman gentiment. Ce qui fait que l'adversaire va jouer son Nimrod, j'imagine. Phoenix. Alors, qu'est-ce qu'il peut me faire là debout? Est-ce que c'est un play à base de tribunal peut-être? Parce que là on est à combien? 20? Mais non, parce qu'il joue ça, il joue pas tribunal du coup. Parce qu'il a la Shuri Nimrod plutôt que d'avoir tribunal, onslaught, tout ça.
Ça ferait combien? Ça ferait 28, 38, 43. Donc ça lui ferait à peu près 15 partout. Qu'on perdrait par contre. Par contre, il peut y avoir Shang-Chi ici. Ça, ça met forcément Doom. On peut jouer qu'une carte là de toute façon. Bon bah écoutez, on va faire ça. Poser un petit Doom. Et j'aurais pas dû. Emdal. Bon, c'était nul mon play, hein, ça c'est sûr, mais quoi? Tac, mais du coup avec Odin on aurait gagné. Avec Odin on aurait gagné, ouais. D'accord, bon, c'est une version un peu bizarre, mais bon, ça c'est les trucs du ladder. Pas vraiment d'intérêt pour le. Que ce soit pour la vidéo ou bien. Bien même pour le fait de s'améliorer au jeu, là, c'est pour le coup, c'est juste un truc surprise. Ça représente rien de perdre ou de gagner ce genre de game. Pour vous dire, je pensais même que c'était un bot, donc c'est pour dire quoi. Enfin, quand tu gagnes parce que l'adversaire pense que t'es un bot, c'est. C'est pas. Forcément, bon signe, on est contre oui. Alors, qu'est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il est parti sur de la blink? C'est très possible. Electro into Blink. On peut peut-être snapper, hein. C'est quand même fort comme combo, puis lui n'a pas joué de ramp. En fait, c'est quand il y a ça et que on est tour 3 et il t'a encore rien, ça veut dire que il y a potentiellement pas grand chose. Ça peut être un deck, je sais pas honnêtement, donc on teste, on voit. Un petit vision, assez jubilé, donc c'est sûrement de la défausse. Ouais, Corvus qui défausse. Ouais, ok, ah là c'est pas ouf. On fait jubiler into Odin. C'est vrai que j'aurais pu faire autant pour moi. J'aurais quand même pu déplacer vision. Tac. Ça va remplacer Jubilé par soit Leader, soit Red Hulk. Sachant qu'on peut remettre Vision au mid pour redépasser le Infinote. Red Hulk. Donc j'avoue que je préférerais quand même un petit Leader ici. Ok, bon, ça reste... ouais, on n'a pas de leader. Aïe, aïe, aïe. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, là? Parce que Docteur Doom fait pas grand-chose. Il peut pas réinvoquer ses cartes mortes. Il n'y a pas Sandman on board, mais on peut curver malgré tout. Il fait en sorte de pas perdre sur Docteur Doom. On n'a pas mieux, de toute façon. De toute façon, nous n'avons pas mieux. Donc après, est-ce que lui, il peut remonter le tout? Je connais pas exactement son deck, je vous avoue, il y a quand même Black Knight dedans, mais ok. Ouais. J'imagine qu'il se doute qu'il peut y avoir leader, même si là, je l'ai pas dans la main. Et du coup, c'est normal de concéder. Ok.
Et donc l'avantage de jouer parfois sans man, de jouer des choses comme ça, c'est que vous allez bloquer la game à « Ok, bah si je joue leader, j'ai gagné. » Attention, il y a quand même des choses à calculer. Il y a des interactions un petit peu particulières avec leader, puisque par exemple, vous invoquez une carte avant qu'elle fasse son effet, ça va, comme Phoenix Force tout à l'heure, ça peut être pas fou. Bon, là, il a pas fait Phoenix Force tout à l'heure, mais vous voyez l'idée. Leader, si l'adversaire joue leader aussi, ça va blinder votre emplacement de leader, parce que ça va invoquer leader qui active son effet et réinvoque leader qui active son effet, etc. Bref, c'est des trucs qu'il faut connaître, quoi. Très bien, ça. Allez, on part ici. Ronan. Ah. Ah, ok. Pas fou non plus, hein, finalement. Finalement, pas fou non plus. On va blinker le vide, hein. Je vois pas comment on peut gagner ça. Hein. Non, mais écoutez, on va partir. C'est comme ça. La version avec Corvus a l'air plus forte en vrai, parce que Corvus, c'est une carte un petit peu. Qui rentre bien dans ce délire. Un peu. Comment dire. Rampe et juste. On pose des grosses techs, quoi. Mais on peut réfléchir aussi. On peut peut-être choisir. Non. Boum, grosse tech. Bon, bah, c'est ça. Et là, actuellement, c'est un peu ça. Rampe aussi. Finalement, c'est logique. Donc, je pense que la version est très bien. Moi, je n'ai pas Corvus. Donc, dans tous les cas, c'est pas dans ma possibilité de vous présenter un deck avec Corvus. Mais voilà. On est contre un bot, on dirait, non? Normalement, les trackers sont censés me le dire. Mais depuis le début de la vidéo, bah, ça me l'a pas dit une seule fois. Donc, je ne sais pas. Si c'est un bot, il est capable de partir ici. Parce que j'ai 3, il a 0. Ok, ça va. Un petit vision, des familles. Très bien ce petit vision. Ça ressemble quand même à du petit Botos, hein. Ça ressemble à du petit Botos, hein, je crois. Je le cache, comme ça, ça donne un peu plus la sensation. Voilà, là, il gagne une lane, il dit, bon, c'est pas non plus... Voilà. Si je fais Wave Jubilé, Jubilé peut ramener Jeff... ou Blink ou Leader. Si ça ramène Leader, c'est pas mal. Si ça ramène Blink, ça va échanger Wave avec Leader. Ça peut être sympa. Mais sinon, je fais juste Docteur Doom. Ok. On avait trop d'avance ici, malheureusement. C'est dur de... Peut-être que je devais décaler Vision à droite, comme ça je gagnais que un emplacement. Peut-être que ça l'aurait fait rester. C'est tricky de jouer contre des bots. Hein. Parce qu'il faut savoir quand même comment faire en sorte de ne pas les faire concéder. C'est assez marrant, mais... Tout Moudin, évidemment, qui fonctionne toujours très bien. C'est un petit peu la force de Blink qui s'ajoute à ce deck. C'est cet aspect... curve parfaite encore améliorée, quoi. C'est à dire que si tu fais Electro into Blink into Doom into Odin, bah t'auras un très très bon board, quoi.
les limbes. Cool, il a pas fait Mobius, ouais. Bon, on joue à Edulk, hein, je pense. Mobius. Bon bah c'est pas grave, on a profité de wave, mais maintenant... Donc pour qu'il tue mon Redulk, il faut qu'il passe son tour pour le laisser d'abord gonfler. Donc c'est là que ça va se corser entre guillemets pour lui. C'est qu'il va devoir jouer autour de ça. Mais s'il a envie de faire Serra maintenant, il pourra pas le faire. Quake. Et Kitty, j'imagine. Pas sûr, ouais, c'est vrai que son... Et Killmonger. Là, il est toujours au niveau de la curve, on est très bien. Je pense qu'on snap, on a gagné. Je l'imagine bien concédé dans cette situation, malgré tout. Mais bon. Là, il a envie de faire quoi? Il a envie de faire Serra. Peut-être juste on fait ça au cas où il casse les limbes, mais... Il fait pas Serra. Mysterio Hit Monkey. Et donc Shang-Chi gauche, tout simplement. J'hésite. Parce qu'on n'a pas un truc très stylé dans le deck. Là, c'est forcément Shang-Chi gauche, mais la question, c'est où est le Mysterio, quoi. Parce que s'il joue là... Ici, il n'est pas à plus de 12. Est-ce qu'on peut jouer 12 points? Même pas, hein. C'est peut-être juste Docteur Doom, du coup. Ça veut dire qu'il pourrait jouer le mid. Ouais, je pense. Et il joue Jeff mid. Bah, en fait, du coup, ça dépend où est le vrai... Où est le vrai Mysterio, quoi. Quoique... Mais non, même pas, je gagnais la diff. À un point près, mais malgré tout, on, voilà. On prend. Doom, c'était pas mal. Leader, je me demande si ça copie les deux. Dans ces cas-là. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Dans ces cas-là, ça fait aussi des points. Bon, ça fait toujours moins que Docteur Doom, mais... Ok, ça ressemble à un bot, quand même. Celui d'avant, c'est un Serra Control, je le sais, parce que je l'affronte très souvent en ladder. Une fois passé l'infini, je veux dire. Et quand je suis dans le top 100, je joue contre lui, quoi. Et... Bah, du coup, à force... je connais son deck, à force de jouer contre lui. Mais là, c'est... Là, c'est du bot. On va les garder, les deux points.
Parce que j'ai pas besoin de jouer une carte en plus, en vrai. Là, ma curve est déjà toute trouvée. Il est devant, en vrai, là. Il pourrait avoir envie de snapper. Blink. Qu'est-ce qu'elle est... Elle est bien, cette Blink. J'hésite avec Vision. Quand même vraiment bien, Vision. C'est quand même vraiment bien, Vision. Là, le but, c'est de gagner contre un bot. Donc, il faut faire en sorte qu'on accumule les trucs à un endroit. Il a plus de cartes en main. Là, on peut faire leader là, peut-être. Oh, il joue rien. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Docteur Doom ici? Parce que lui, il ferait leader. S'il fait leader ou Docteur Doom, j'ai perdu, quoi. S'il fait leader, j'ai perdu. J'ai vu des bots faire leader, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et j'ai perdu. Ouais, c'est le problème quand on joue contre un bot. Hein. C'est que c'est totalement imprévisible, en fait. C'est que là, le tour d'avant... Après, c'est peut-être un gars qui se fait passer pour un bot, c'est possible. Et là, le tour d'avant, il a ni joué Morbus, ni Dracula au moment où j'ai joué leader. C'est bizarre. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça n'a aucun intérêt. À part pour contrer leader, justement. Et donc, en fait, j'avais pas envie de faire Doom, parce que j'avais pas envie de qui s'enfuit, mais au final, il s'est pas enfui. Mais bon. Bah écoutez, on perd 4 cubes, hein, c'est la vie, c'est comme ça. On tente de gagner des 8 cubes contre des bots et au final on joue peut-être contre des gars qui se font passer pour des bots et on perd des 4 cubes. De toute façon, on va pas se mentir, le prix infini c'est une basse-cour, c'est un petit peu un bac à sable. On peut surtout s'y amuser, là moi pour la présentation de deck je suis obligé d'aller là-dedans pour vous montrer, je vais pas aller en conquête maintenant mais... Et l'idée c'est de vous montrer l'essence du deck, c'est sûr que là je suis pas en train de vous montrer à un très haut niveau de gameplay quoi. On a Electro, on a Blink. C'est quand même pas mal. Wolverine. Alors c'est un deck destruit visiblement. Alors, on peut faire ça into Blink, c'est quand même très bien. Allez, on y va. Nebula, elle gagne un par tour quand même. Ok, elle meurt aussi, c'est possible. Du coup, Blink qui ramène Sandman, Vision, Doom ou Odin. Donc, quand même plutôt pas mal en vrai. Ensemble, Deadpool en démon. Pas folichon ça, on va pas se mentir. Et bah petit Doom ici je pense hein. Fait Venom. Peut-être les leaders c'est pas très fort contre Destru. Odin. Odin sur Doom. Pas mal. Problème, c'est Null. Et Death, c'est ça.
Est-ce qu'il a eu assez de destruction? J'ai eu ça détruit. Il y a eu Nico et Killmonger. Et lui deux fois. Donc ça fait en tout 5 cartes détruites. Donc Death coûte 3. Il a pas plus d'énergie. Null est pas énorme. En fait, s'il fait Null, il perd la game. Donc j'ai pas joué un Zoo Leader en mode autour de Null. Faut que je fasse ça normalement. Mais c'est possible pour lui de jouer autour de ça. Après, peut-être qu'il doit miser sur un peu la chance avec Deathlock sur Wolverine, par exemple. Et dans ce cas-là, il n'y a que Wolverine à droite qui le fait gagner. Ok. Tout va bien dans ce cas. Quand j'ai vu Wolverine aller à droite... Bon. Bah après, hier, j'ai fait une game contre un Destru. Et ouais, c'est ça, c'est genre... Il a fait Arnim Zola, qui tape Venom, qui fait que Wolverine va à droite, puis le deuxième Venom qui apparaît avec Arnim Zola retape Wolverine qui reste à droite, puis mon Shang-Chi tape Wolverine qui reste à droite. Et il gagnait que si Wolverine était à droite. Donc, je vous laisse faire les calculs pour les chances que ça se produise. C'était très faible, évidemment. Ok, ça sera la dernière, pardon, j'avais pas vu le temps passer. Mais voilà, en gros, ce qu'on peut faire avec Blink, vous avez vu qu'elle permet quand même un peu des timings de snap. Mine de rien, Electro into Blink, ça semble quand même être un combo qui fonctionne plutôt bien, puisque tour 3 puis tour 5, ça ramène forcément, vu que dans les decks ramp, la plupart du temps, on essaye d'éviter de mettre des tours 4, là ici il y a Jubilé, parce que ça combote bien avec Blink, mais c'est tout. Et du coup, bah, quasiment tout le temps, Electro, ça va vous sortir au minimum un tour 5, et donc, bah... Au tour 4, vous avez Vision et Blink sur le board. En termes de valeur, c'est quand même assez énorme. Voilà, quand vous jouez Electro, la plupart du temps, il ne faut pas mettre de 4 costs dans le deck. Quasiment aucune, puisqu'en fait, l'idée de Electro, c'est que à partir du tour 3, vos cartes, vous pouvez les jouer pour un coup de plus, mais vous pouvez en jouer qu'une. Ça veut dire que vous pourrez jouer un tour 5 au tour 4, un tour 6 au tour 5 et un tour 6 au tour 6. Donc du coup, c'est Human Torch ici, j'imagine. Assez dommage, parce qu'en vrai, j'aurais bien... Bon. Donc là, il va vouloir faire Phoenix Force, on imagine. Magic. Une version avec Magic. Oui, du coup, il y a des gens qui vont jouer des decks qui contre les decks où les gens essayent les nouvelles cartes. Ça sera forcément fait, hein, c'est normal. Moi, je suis pas du genre à vouloir faire ce genre de truc. Pour moi, quand on veut essayer une nouvelle carte, quand il y a une nouvelle carte qui sort, c'est le meilleur moment pour essayer de voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Bah là, ouais, on peut rien faire, hein, on a forcément perdu. Bon, je la joue, vu que j'ai accepté le snap, on voit jusqu'au tour 7, mais on va sûrement juste concéder pour 2 cubes, donc voilà. Ça va être quoi? Ça va être Iron Man chez lui? Iron Lad. Bon, bah, why not un petit leader en vrai? Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je peux rien faire d'autre. Hein. Non, bah petit leader des familles, petit leader des favelas. On espère que ce qu'il joue de gros, c'est pas à gauche, parce que sinon bah je pourrais pas le copier. Mais en même temps, s'il joue un truc moyen à gauche et qu'après je peux pas le déplacer, j'ai perdu la gauche, donc peut-être que j'ai pas envie de bouger vision. Je sais pas, ça se discute en vrai. Allons voir.
Allons voir. Ok, on copie. Onslow. Ouais, donc c'est bien une version. Ok. Et donc on va effectivement concéder tout comme prévu. Puisque du coup, il va déplacer Human Torch, gagner une lane avec Human Torch, mettre Iron Man sur Onslow, gagner la lane Iron Man Onslow, et c'est tout. Donc voilà, bon, on peut rien faire. A voir si on pré-shot bien peut-être. Jubilé dans le deck, non, ça va rien faire. Est-ce que potentiellement copier Iron Man peut nous faire gagner la game? Faudrait qu'il le voit pas venir, quoi, mais ça se voit venir de très loin, je pense. On essaye histoire de... Voilà, bon, s'il voit pas venir Odin sur leader ici, c'est une chance pour nous. On la prend cette chance, mais honnêtement, je pense qu'il va le voir. En fait, il a juste à jouer tribunal dans cette game, donc... Et oui, c'est logique. Et du coup, on est à 19 partout, 20 partout, voilà. Et on perd, forcément. Vous pouvez rien faire. Bon, c'est pour la vidéo, voilà. Mais bon, vous voyez l'idée. Ce genre de deck, c'est le genre de deck qui est greedy. Et qui, en vrai, c'est les gens, ils vont le sortir forcément les jours où vous jouez les nouvelles cartes, etc. Donc, c'est ce que je vous expliquais dans l'intro. C'est, on est faible contre ce genre de deck, en fait, avec mon deck. Je trouve ça un peu dommage que les gens, ils soient prêts à tout pour gagner, quitte à genre limite empêcher les gens de tester les nouvelles cartes. C'est une manière de jouer contre par rapport à la méta, même si en vrai là on parle pas de méta puisqu'on parle de juste de nouvelles cartes. Mais en tout cas, c'est une philosophie de vie dont on a discuté déjà tout à l'heure en stream. Et voilà, c'est tout, tout simplement. Voilà encore une fois le deck. Je vous souhaite de toute façon une bonne soirée. On se dit à demain pour un deck plus tryhard, un deck... potentiellement du coup pas avec Blink, peut-être avec Loki, on verra sur quoi je m'organise, et sinon bonne soirée, au revoir.